Ça va être pas mal ça pour là, je pense bien. Ok, ouais, sinon ça ratisse trop. Ok, c'est cool. Back to la maison. Emilia is back. Est contente de ses affaires. La nuit a été calme, bon, ça va changer un peu. Il est où, Pavlitch? Tout ça va nous faire bouffer. On n'a plus d'eau. Musique classique. J'en peux plus, j'abandonne. Hey! Ressaisis-toi! Du bois. Si tu t'en vas, toi. Fais la cuisine. Hey, mais je pense qu'on a perdu Pavlet, je sais pas trop pourquoi. Un poêle plus efficace. Hey, ça prend du stock, ça a pas de bon sens. C'est... Ouais. Fait que... C'est cool parce que c'est quand même très difficile comme jeu. J'aime bien ce genre de jeu-là quand c'est difficile. Là, c'est très difficile. En tout cas, pour commencer, parce que je sais pas trop... Qu'est-ce qu'on peut faire puis qu'est-ce qu'on peut pas faire? Là, j'aimerais bien que tu finisses par faire la bouffe éventuellement. Fais-nous deux bouffes. Couche-toi. Il y a des légères blessures. Quoi, il est-tu mort parce que. Il est-tu mort parce qu'il avait faim, l'autre?
Besoin de beaucoup de repos. Légère blessure et en déprime. Il n'a plus faim. Puis elle a plus faim. Passer la journée. Là, il reste de la nourriture. Il reste plus de stock que ça, c'est sûr. Hey, j'ai vraiment juste deux gars. Il y en a un qui est mort. Écoute. C'est n'importe quoi. Ouais, je pense que ma game achève les copains. Si seulement je pouvais aller là. Mais ça n'arrivera pas. On dirait que tout a disparu. Du bois. C'est important de checker. De vérifier aussi qu'est-ce qui te reste à ramasser parce que là, tu vois, je m'en viens ici, mais il n'y a plus de l'air d'avoir grand-chose à ramasser. Donc ça, c'est une nuit de perdu. Mais je pense qu'il y a des bugs en ce moment, là, parce que j'étais certain qu'il restait plus de stock que ça. C'était quasiment impossible qu'il restait juste du bois. Je suis pas mal sûr qu'il y a des petits bugs. Ce qui se pourrait quand même. Jour 12. Allez, ils vont commencer à avoir faim. Fait du bien de rentrer en vie et en bonne santé. La nuit a été calme. Il a faim, il a des légères blessures, il est en déprime, puis il a besoin de repos. Grandiose. Ramasse de ça. Toi, t'as juste faim. Toi, t'as juste faim. Peux-tu faire de quoi ici? Aha! Fabriquer une patente à rats. Donner de la bouffe. Ouais, à deux, par exemple, on dirait que je suis pas sûr. Un livre sur le feu. Un repas. Je manque pas d'eau. Je manque de bouffe. Piège est en mode.
En mode check-up. Là, elle a juste 20. Peux-tu te guérir, toi? Ou ça n'a pas besoin? Ah ouais, il y a besoin. Ok, va te coucher. Puis toi aussi, va te coucher. Elle est top shape, là. Si quelqu'un devait mourir, vaut mieux Marco que moi. Tu sais, quand que... C'est tentant, j'ai assez dormi. Musique classique. S'asseoir sur une chaise. Attendre la fin de la journée, je pense. Passe à la nuit. Bon, il n'y a vraiment plus rien à l'école. Elle va être partie collecter. Monter la garde, mettons. Puis, quantité énorme d'armes, puis quelques pièces. Accès impossible à cause des combats. Écoute, on va aller là. Armé d'un couteau. Mais je sais pas si c'est la game qui fait ça. Mais c'est quand même fou, là. J'ai pas eu le choix de tuer. Quand même pas mal d'itinérants. On va ouvrir ça. Je dois m'occuper de mes parents. Si je fais pas, qui le fera? Oh my god. Je suis obligé de voler. Ben écoutons. Propriété privée. Ça n'existe plus une propriété privée, buddy. Peux-tu monter? C'est-tu juste la fenêtre qui fait ça? Ouais.